La Moldavie est plus divisée que jamais après les bouleversements politiques du week-end. Samedi, les députés ont approuvé la nomination de Maia Sandu au poste de Premier ministre après un accord de coalition entre le Parti socialiste et le mouvement pro-européen. Objectif, écarter du pouvoir le Parti démocrate, présidé par l'oligarque controversé Vlad Plahotniuc. Mais la Cour constitutionnelle a estimé que le délai pour former un gouvernement était dépassé et a appelé à dissoudre le Parlement. C'est un processus difficile dans lequel nous essayons de nous débarrasser de ce régime oligarchique et antidémocratique qui met en place de nombreux stratagèmes de corruption. Nous venons d'approuver au Parlement une commission pour enquêter sur une fraude d'$1 milliard dans le secteur bancaire. Nous essayons de libérer le pays et nous allons le faire car il s'agit d'un gouvernement légitime. Malgré leurs positions divergentes, le Parti socialiste et le mouvement pro-européen s'étaient accordés pour mettre fin à la crise politique qui durait depuis les élections du mois de février. L'objectif commun est de se débarrasser de ce régime oligarchique. Nous avons discuté très clairement de notre orientation pro-européenne. Le Parti socialiste a une orientation différente. Mais nous avons convenu que notre accord d'association sera la base de travail du gouvernement actuel. Nous verrons combien de temps ce gouvernement sera soutenu, mais le jeu en vaut la chandelle, car nous devons nous débarrasser du régime. Lors d'un meeting du Parti démocrate ce dimanche, l'oligarque Vlad Plahotniuc a déclaré que son parti resterait au pouvoir jusqu'aux élections de septembre prochain. L'Union européenne et la Russie se sont-elles dit prêtes à travailler avec le gouvernement démocratiquement légitime et ont appelé les deux parties au calme.